السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نشوفوا فرض ديال مادة اللغة الفرنسية لمستوى الخامس ابتدائي. هنايا لي لو تيكست اتنتيفمون اي ريبون او كيستيون دو كومبريانسيون. هنا محمد اي لا شاس، محمد ايم لا شاس سو ماتان. Il s'est réveillé de bonne heure. Il a quitté la maison à 6 heures. Quand il a pris son fusil, son chien Rocky l'a suivi. Il a marché dans les bois en cherchant les lapins. Compréhension, les questions. Quel est le titre de ce texte? Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? Chacun qui n'a paragraphe fait le texte. Comment s'appelle le chien de Mohamed? Est-ce qu'il s'appelle le chien de Mohamed? Mohamed a quitté la maison à 6 heures ou là à 7 heures ou là à 8 heures. Coche la bonne réponse. Ce texte est descriptif ou là informatif ou là narratif? La sixième question, Mohamed veut chasser les lapins, le lipperdix, péridrix, les hirondelles. Septième question, relève des textes un verbe conjugué au passé composé. Je vous dis verbe, les voix conjuguées en passé composé. Quels sont les personnages dans ce texte? Neuvième question, pourquoi Mohamed y allait dans les bois? Douzoul la grammaire. Souligne le complément d'objet direct et entoure le complément d'objet indirect dans ces phrases. Nawfal parle à Salim. Mohamed regarde la télévision. Roulez chaque phrase à son type. Quelle belle histoire! Phrase interrogative, la phrase exclamative. Où se trouve la mausolée Mohamed V? Complète le tableau suivant. La phrase mon père pratique le sport. Finalement, le sujet, le verbe, le complément. Je mange une pomme. Nous avons l'orthographe. Complète le tableau suivant. L'infinitif manger. Le participe passé, un ktouan. L'infinitif manège. Escladé, un ktou l'infinitif diela. Vomir, un ktou le participe passé diela. Noirisser. Entoure le participe passé, les phrases suivantes. J'ai fini mon travail. Nous avons mangé le couscous. Ponctuer les phrases suivantes. Ponctuer, on va voir les ponctuations, ou chnukta, ou point d'interrogation, ainsi de suite. Où se trouve la mosquée Hassan? Hassan 2. Quelle belle nature! Messi marque un but extraordinaire. Avant de manger, je me lave les mains. Hna ghadi ndouzo l'anasir l'ijab. N'bdaou be. La compréhension. Quel est le titre de ce texte? Le titre est Mohamed et la chasse. Mohamed et la chasse. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? Il y a un seul paragraphe. Il y a 1 seul paragraphe. Comment s'appelle le chien de Mohamed? Est-ce que nous sommes le chien? C'est Rocky. Majuscule Rocky.
Non, Mohamed a quitté la maison à 6h, à 7h, à 8h. À 6h. Non, ce texte I, descriptif ou informatif ou la narratif, non, le texte I, narratif. Non, Mohamed, vous chassez les lapins, les perdrix ou les hirondelles. Non, je vous chassez les lapins. Relève des textes un verbe conjugué au passé composé. Maintenant, je vous chassez le verbe passé composé. Maintenant, le verbe l'équine et la quitter. Maintenant, le verbe a quitté. Pourquoi Mohamed est allé dans les bois? Pour chasser les lapins. Non, pour chasser. Pardon. Lapin. Deuxième grammaire. Première question, souligne le complément d'objet direct et entoure le complément d'objet indirect dans ces phrases. Puis, il y a deux phrases. On start le complément d'objet direct on doit là le complément d'objet indirect. Nawfal parle à Salim. Mohamed a regardé la télévision. Maintenant, le complément d'objet indirect ou le complément d'objet direct, il y a la télévision. Maintenant, nous devons relier chaque phrase à senti. Quelle belle histoire! Quetzali, le point d'exclamation. Donc, il y a la phrase exclamative. Où se trouve la mousseline Mohamed V se termine par un point d'interrogation, donc c'est une phrase interrogative. Naya complète le tableau suivant. Mon père pratique le sport. Le sujet, le verbe, le complément. Naya, le sujet, ou mon père. Le verbe, la pratique. Le complément, ou le sport. Là, je mange une pomme, je vois le sujet, mange le verbe, une pomme ou le complément. Donc, nous avons ici. Nous avons ici. Nous avons ici. Nous avons ici l'orthographe. Non, le participe passé d'y manger et y a mangé avec le accent. Manger. Non, escaladine, il y a le accent, donc escaladé avec le R. Vomir. Vomir. Non, noircir. Donc, toujours entoure le participe passé dans les phrases suivantes. Non, fini. J'ai fini mon travail. Non, fini. Non, manger. Nous avons mangé le couscous. Non, pontiller les phrases suivantes. Où se trouve le Mosquée Center? Donc, nous avons un point d'interrogation. Où se trouve la Mosquée Center? Quelle belle nature! Point d'exclamation. Missy marque un but extraordinaire. Mais seulement un point.